Déjà sur la ligne de départ, mais un quart d'heure avant le départ, on venait de sortir et j'ai une latte qui a transpercé le fourreau au niveau du mât. Donc obligé de rentrer en catastrophe, heureusement le maître voilier était encore sur le ponton. On m'a filé un super coup de main encore une fois. Mais voilà, j'ai pris la ligne de départ trois quarts d'heure après tout le monde. Passé la nuit à chasser là au milieu des îles, essayer de remonter, grappiller quelques bateaux, mais bon les premiers. Là où c'était important en ce moment peut-être d'essayer justement de rester avec les meilleurs pour prendre la bonne option, tout le monde était déjà parti forcément quand moi je suis arrivé. Allô, vous allez vous dire que je passe mon temps qu'à manger sur le bateau et que je ne fais pas grand chose d'autre. C'est pas vrai. C'est pas ce que j'apparence puisque la vidéo c'est pratique quand on est à l'intérieur. Voilà, petit déjeuner, dans mon pays espagnol que j'ai acheté sur le marché là avant de partir. On se trouve des petites tranches, petits morceaux de pain, sympatoche. Il y a un grand soleil, on a encore un peu d'air, il va y avoir 12 nœuds. On vient d'avoir la vacation avec le classement, donc j'ai perdu un peu de mille par rapport à un peu tout le monde de toute façon, mais je m'y attendais et il commence à avoir des gros écarts qui se creusent entre la tête de la flotte et l'arrière de la flotte. J'espère que ceux qui sont en tête de la flotte ils vont arriver dans la bulle et qu'ils vont s'arrêter et que moi je suis monté assez haut en fait pour éviter le gros de la bulle. Je m'attendais de toute façon à avoir reculé au classement parce que le contrebord j'ai tiré la plupart de la journée d'hier, qui remontait au nord le plus possible. Justement éviter le gros de la bulle anticyclonique, le plus gros. Et si j'étais pas remonté au nord, du coup concéder ces 1000, là je serais dans 0 nœud d'après la vacation. Et 0 nœud pendant 48 heures. Donc 2 nœuds au maximum. Donc je pense que même si ça fait mal au niveau du classement, j'espère que c'est pour la bonne chose et que je suis monté assez nord, on verra bien. Là j'avance et dans 60 000 environ je change de zone de météo. Et là c'est un peu dans une cinquantaine de milles, ouais, c'est un peu le déclic. La zone elle est coupée en deux, au nord ils annoncent très peu de vent, du genre 3-4, au sud pardon, ils annoncent 3-4 nœuds. Et par contre au nord ils annoncent plus une dizaine de nœuds. Donc bien sûr si j'arrive à avoir le flux qui est un peu plus au nord, bah moi je vais continuer à bien marcher et j'espère que la plupart ils vont être scotchés. Donc voilà. C'est un peu l'analyse météo du jour en espérant que je suis assez au nord et que je vais pouvoir passer. Pour l'instant, le bateau est marqué, on marche à 8 nœuds et demi là, avec mon piquant, 7 nœuds et demi d'habitude. Il y a 8 nœuds, tout ça, on fait du tour d'avance. On a passé la barre des 500 000, donc il reste 480 000 là, tout de suite. Donc c'est bon, on se rapproche. J'espère qu'on ne va pas trop mollir, on va pas mettre 4 jours à faire la fin.
10h03 de temps universel tous les jours. Et voilà, ça commence. Vachement mieux que sur l'allée, là il faisait froid, relativement froid, et du frais, les conditions étaient plus rudes. J'ai eu 2 lieux par jour et là je commençais vraiment, ça commençait vraiment à être dur. Et sinon, donc voilà, j'espère, il me reste 130 000 là, je viens de regarder. Donc 130 000, voilà, j'espère que le dîner demain soir, ce sera dans un petit restaurant. Je peux déjà passer la commande, je sais déjà ce que je veux. Ce sera un petit tartare de bœuf avec des frites s'il vous plaît et une grosse glace en dessert. Et donc voilà, ça changera bien du jeu frisé, un peu frais, ce sera très très bien. Hello. Je dis ça maintenant mais j'ai pas envie de le jinxer, mais je pense que c'est la dernière vidéo du voyage. Il reste 8080 exactement, on voit le sable d'Olonne. Comme à mon habitude, pour pas changer les bonnes habitudes, j'arrive juste à l'heure du dîner. Comme je l'avais commandé hier, j'espère que mon dernier dîner, à part si je vends complètement mon lit maintenant, mon dernier dîner était bien hier soir comme sur la vidéo que j'avais dit. Là, le moral est plutôt bon. Forcément on arrive. Je veux dire la galère est finie. Franchement, c'était pas autant la galère que ça a été la galère. Franchement, il n'y a pas beaucoup de gens qui auraient pu écrire un scénario aussi pire qui est arrivé sur toute la première étape. La dernière étape a été aussi bien galère, mais bon, ça a été beaucoup plus vite, heureusement. Au classement de la Dakar ce matin, j'étais 6e en proto, ou 7e, je ne sais plus, un ou l'autre, mais en tout cas j'étais devant les deux rivaux avec qui on a les bateaux les plus proches. On est 3 là avec les bateaux dans les 300. La première étape, j'étais devant eux avant que je casse tout. Donc le but c'était de finir devant eux dans les deux étapes. La première, bon, forcément je n'ai pas fini devant eux, mais j'étais quand même devant avant de tout casser. Et là j'étais devant avec une vingtaine de mille sur Michele et 80 000 sur Max, donc même si toute la matinée et l'après-midi ont été très durs, je pensais pas arriver avant 2h du matin vu que j'avançais à 4 nœuds et puis de commencer le lever d'un coup plus ou moins bon secteur, donc j'ai bien avancé là jusqu'à 7 nœuds. Et voilà quoi, voilà. C'est cool, ça se finit, j'espère que je vais pas poser le bateau à plat en arrivant, donc voilà, je reste content jusqu'à la fin quand même.